Le moment est enfin arrivé. Zelda Breath of the Wild sort dans une semaine, soit le 3 mars 2017. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on l'attend. En fait, oui, ça fait des années qu'on l'attend. Grande révélation au E3 2014, on nous annonce qu'il va sortir en 2015. Puis en décembre, au Game Award, Miyamoto et Eiji Aonuma nous promettent encore que le jeu va sortir en 2015. Are you sure that this will be released next year? Yes. All of the staff members are working together and doing their best. Ensuite, malheureusement, on nous annonce que le jeu va être reporté pour ajouter quelques idées. Puis lors du dévoilement de Twilight Princess HD, on nous promet encore 2016. Finalement, la Switch à l'horizon, on nous annonce que le jeu va sortir en même temps, donc en 2017. Ça finit plus. L'attente est insupportable. Bon, évidemment, après avoir été torturé comme ça par Nintendo pendant des années, j'aurais pu faire « Ok, laisse faire, je veux plus ce jeu ». Non, au contraire, j'ai été all-in. J'ai même vidé mon compte en banque pour ce jeu. Ce Zelda-là est particulier. Il sort sur deux consoles, la Wii U et la Switch. En plus de ça, il nous offre plusieurs possibilités d'achat. Vous, les Zelda comme moi, on va regarder les options qui s'offrent à nous. Petite mention avant de commencer, on s'est basé sur les prix qu'il y a actuellement. Donc c'est sûr que ça peut varier, vous pouvez trouver des meilleures offres si c'est possible. C'est juste pour avoir une idée, donc tout ça est un peu approximatif. Deuxième petite mention, on est au Québec. Donc on a une réalité, il y a les taxes et le dollar canadien contre le dollar américain en ce moment fait très très mal. Donc on va vous présenter les prix canadiens, mais également avec les taxes. Parce que c'est une réalité ici, quelqu'un peut avoir les moyens de se procurer un article au prix en magasin. Mais une fois les taxes appliquées, ça peut changer la donne. Option numéro 1, Zelda Breath of the Wild à la Wii U. Vous faites partie des 15 millions chanceux qui ont déjà une Wii U? Félicitations, c'est à vous que s'adresse l'offre la moins chère en fait. Zelda Breath of the Wild sur la Wii U coûte 79,89. Donc avec les taxes, 91,85. On vient juste de commencer, c'est l'offre la moins chère et on est déjà prêt de 100$, donc préparez-vous. Option numéro 2, vous n'avez pas de Wii U. Bon, ça se trouve encore, mais la plupart des magasins ont déjà commencé à la discontinuer. Donc une Wii U peut se trouver pour environ 319,99. Évidemment, ça peut varier, vous pouvez en trouver usagé. Plus le jeu, à 79,89. On ajoute les taxes par-dessus ça pour un beau total de 471,96. Ça commence à faire beaucoup, surtout pour une console qui est terminé. Dans le fond, il n'y a plus de jeux qui vont sortir, il y a juste les jeux en arrière. Il y a une très bonne librairie, mais bon, ce serait pas nécessairement un bon investissement. Option numéro 3, Zelda Breath of the Wild pour la Switch, plus la Nintendo Switch. Zelda Breath of the Wild pour la Switch coûte 79,99. Oui, à moins que vous êtes à 10 cents près, c'est pas une très grosse économie de l'acheter sur la Wii U. Pourquoi je vous mentionne avec la Switch? Mais tout simplement parce que la console n'est pas sortie encore, donc si vous voulez jouer, vous devez vous procurer une console. La Switch, à sa sortie, coûte 299,99 aux États-Unis. Ici, avec le taux de change, 479. Ça fait déjà une bonne différence. Ajoutons les taxes par-dessus ça, bien entendu, et vous obtenez 460,81. Ajoutons maintenant le jeu, 79,99 plus les taxes, 91,97. Pour un beau total de 552,78. Ça fait beaucoup pour un jeu, en effet. Mais vous obtenez une console très prometteuse en bonus. Mais Nintendo s'est pas arrêté là. Ici, Zelda Breath of the Wild est offert en 3 éditions. Premièrement, la standard qu'on a parlé tantôt à 79,99. Il y a également la Special Edition qui vient avec un tas de suppléments pour 129,99. Ajoutons les taxes, 149,46 pour cette édition. Et ça, c'est notre option numéro 4, donc Zelda Breath of the Wild Special Edition plus la Nintendo Switch pour un beau total de 610,27. Mais c'est pas tout parce qu'il existe également la Master Edition qui vient avec tout ce que je vous ai dit tantôt plus la Master Sword. Et cette version-là ici est offerte au prix complètement fou de 199,99. Donc avec les taxes, 229,94 pour le jeu. Bon, okay, ça vient avec plein de choses. Puis c'est vrai que généralement, des petites statuettes et tout, ça peut monter à des prix complètement fous. C'est cher, mais c'est pas un si mauvais investissement. Parce qu'on s'entend, ce genre d'édition est fait en quantité limitée et prennent de la valeur avec le temps. Et tout ça pour un beau total de 690,75. Ouch! Là, on commence à parler. Maintenant, option 6. C'est juste du bonus, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ces options-là sont disponibles. Donc, pour l'exercice, on a voulu calculer combien ça coûtait décider d'y aller all-in, et c'est pas donné au Québec. Zelda Breath of the Wild sort avec 6 amiibo. Ils sont particulièrement bien faits, sont un peu plus gros que les autres. Par conséquent, ils sont plus chers, mais ils sont vraiment de qualité. Les prix varient de 21,99 à 34,98 selon la grosseur. Vous décidez de toutes les acheter parce que vous voulez l'expérience complète Zelda Breath of the Wild, 139,94. Donc avec les taxes, 160,90. Pour des amiibo, ça commence à être beaucoup. On ajoute à ça une première, oui. Zelda Breath of the Wild va avoir des DLC. C'est une première dans un jeu de Zelda. Donc bien sûr, avec le taux de change, le DLC ici coûte 28,19, donc 32,41 avec les taxes. Il y a également le guide du jeu qui est disponible en plusieurs éditions.
Nous, on s'est concentré sur la Deluxe Edition, qui est disponible à des sommes de 99,99$ dans certains magasins ici. On a réussi à mettre la main dessus à 75$. Quand même bien. Donc si on additionne le tout, la Nintendo Switch, le jeu en version Master Edition, le guide Collector Edition, tous les amiibo et le DLC, pour un beau total de 959,99$. C'est près de 1000$ pour un jeu. Pour un seul jeu. Ok, oui, il y a la console avec, mais waouh, ça fait beaucoup. Mais ça, c'est complètement optionnel. Comme vous voyez, il y a des options de 100 à 1000$, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Oui, c'est cher, mais c'est pas obligatoire. Donc, allez-y vraiment selon votre budget, selon votre logique, selon aussi vos goûts, selon vos passions. Bien entendu, le plus heureux dans tout ça, c'est pas nous qui va avoir la chance de jouer à jeu, c'est Tingle. Tingle qui va ramasser beaucoup de rubis. Tingle, donne-moi des...